C'est qui? Ça, c'est qui ça, bébé? Elle s'appelle Trottinette. Oui. Et elle, elle s'appelle... Hallucine. Hallucine. Là, c'est Trottinette? C'est Hallucine. Oui. Trottinette, c'est qui? Trottinette. Trottinette, elle, elle a... Trottinette, elle, elle a déjà 5 ans. Mm-hmm. Elle a 5 ans? Oui, et Hallucine, elle a 28 ans. Elle a? 28 ans. 28 ans? Oui. Mais 28 ans, on dit à grand, on n'est pas bébé. C'est des tout petits bébés, bébé. Ça, elle, elle a 6 mois. Et celle-ci, elle a 6 mois. C'est des jumelles. Hein? Mais ils ne sont pas... Ils n'ont pas le même âge. Elle, c'est elle la grande soeur. Qui est la grande soeur? Elle a 5 ans. Et celle-ci, elle a quel âge? Elle a 26 ans. 26 ans? Et elle a encore bébé? Non. Elle est une grande fille? Oui. Parce qu'elle, elle est là. Elle est là. Elle est sa grande soeur. Et elle, elle est sa petite soeur. D'accord. C'est les enfants de qui? C'est mes enfants aussi, tes enfants. Si ce sont tes enfants, moi je suis qui pour elle? Tu es le grand-père. Je suis le grand-père. Est-ce que je peux porter un peu tes enfants, bébé? Trottinette et Hallucine? Mm-hmm. Ok. Oh, mes petits enfants, je vous aime. Trottinette, Hallucine. Je les aime tellement, mes petites filles. Elles sont gentilles. Est-ce que tu vas coucher d'autres enfants, bébé? Oui. T'es sûr? Oui. Je vais accoucher deux filles et un garçon. Deux filles et un garçon. De là, il y a ces deux filles. Il te reste encore un garçon. Oh, je les aime. Trottinette, Hallucine, dormez bien. Trottinette, Hallucine, dormez bien. Maman vient bientôt, elle prendra soin de vous. Maman vient bientôt, elle prendra soin de vous. Bientôt, maman sera de retour. Et là, c'est qui? Il s'appelle... Roland. Il s'appelle Roland. Roland. Lui, c'est un garçon. Oui. Ouais, c'est tout ton enfant. Ton bébé aussi. Et là, je suis grand-père. J'ai beaucoup de petits-fils, hein, bébé. Roland. Et s'il peut venir dans mes bras aussi. Roland, je t'aime. Roland, je t'aime. Pépé t'aime. Pépé t'aime. Relance, je t'aime. Voilà. Est-ce que je peux le faire coucher? Hein, bébé? Trottinette, Hallucine, Relance. Oui. Trottinette, oui. Hallucine, Relance. Ok. Là, c'est le drap. Oui, il va dormir. Mais c'est difficile à mettre deux draps parce qu'ils sont trois maintenant. Mmh, t'as trois enfants. Là, c'est Hallucine. C'est ça? Non, Trottinette. D'accord, c'est Trottinette. Et là, c'est Hallucine. Non! C'est qui, bébé? Mais je t'ai dit déjà le nom. C'est qui? Il s'appelle Focro. T'as dit Relance, bébé? Oui, il s'appelle Relance. Relance? D'accord. Et là, c'est... Hallucine. Hallucine. Oui. D'accord, mes trois petits-enfants. Vous dormez comme ça, je vous aime, hein? Mmh. Est-ce qu'on va prier? On prie d'abord pour qu'ils dorment bien, ok? Ok. On doit les couvrir. Parce qu'ils ont très froid. Oui, il fait frais, bébé. Hein? Il fait frais. Alors, prie pour eux alors pour qu'ils dorment bien. Ok. Bien mais... prier. Et mon chien, il va rester éveillé et doit aussi dormir. Est-ce que le chien doit dormir avec tes enfants? Ton chien, il dort dans le même lit avec tes enfants, bébé? Il va dormir dans sa cabane. À sa cabane? Mais est-ce que tu pries d'abord sur tes bébés qui dorment? Ok. Il mange quelque chose. Oh? Il mange quelque chose. Qui? Maintenant, on va coucher 5 bébés. Tu vas coucher 5 bébés? Oui, mais on prie d'abord sur les 3-6 bébés.
Ok. Qui dorment. Vas-y, prie, recommande au Seigneur. Ok. Je ferai en nom de Jésus. Amen. Que mes enfants dorment très bien. Amen. Que Dieu leur garde. Amen. Au nom puissant de Jésus, on a prié. Amen. Amen. Maintenant, je vais chercher l'autre enfant. Tu vas accoucher ou tu vas chercher? Tu vas accoucher l'autre enfant. Et leur père est où? J'ai pas encore de père. Ils n'ont pas de père? On peut faire semblant qu'il y a un père. Et si on peut? Il dort. D'accord. Chut, chut, chut. Il dort, bébé. On t'en va parler fort, hein, bébé. Parce que Trottinette, hallucine et relance, dort, bébé. Trottinette et hallucine, dormez. Trottinette et hallucine, dormez. Celle-ci, elle est noire. Comment elle est sortie noire? Viens avec elle, je veux la voir. Okay. Viens avec elle, bébé. Ah. Viens. Mais pourquoi elle est noire et les autres sont blanches? Parce qu'ils n'ont pas la même couleur. Ouais. Regarde. Et là, c'est qui? C'est ton bébé toujours? Oui. Elle s'appelle... Howlance. Relance? Howlance. Howlance. Ah, d'accord, Howlance. Elle s'appelle en chinois. Ah, en chinois, Howlance. Parce que ses parents, ils sont chinois. Elle vit en chinois. Et toi, tu es sa mère? Oui. Tu es chinoise? Oui. D'accord. Est-ce que je peux embrasser Howlance? Oui. Mais t'as un bébé qui a fui. Quel bébé qui a fui? Trottinette. Elle a fui, bébé. Ils étaient trois et Trottinette, elle s'est réveillée le matin et elle a fui, elle a disparu. Je sais où elle est. Elle est où? C'est cachée quelque part. Oui, elle s'en est allée, bébé. Elle a dit qu'elle ne voulait plus rester avec son grand-père. Bébé, Howlance, Howlance. Papa, je sais que c'est toi qui as remplacé Trottinette et tu as mis l'autre bébé ici, alors que l'homme était ici et Trottinette était ici. Mais Trottinette, elle a fui, bébé. Elle a dit qu'elle veut rester avec son grand-père. Moi, c'est Howlance que j'aime. Howlance, bébé t'aime. Howlance. Mais j'aime aussi les autres, hein. Rassure-toi. Howlance. Papa, je sais que toi, tu as remplacé Trottinette par Howlance. Et Trottinette est où? Je l'ai remplacée par Howlance. Oui, mais elle est partie où, bébé? Je t'ai dit qu'elle a fui. Elle a fugué, bébé. Elle dit qu'elle ne veut plus rester avec son grand-père. Regarde derrière. Derrière où? Là! Là! Il y a quoi derrière? Il y a quoi? Mais regarde! Il y a quoi? Elle n'a pas de caleçon, bébé. Oui. Elle est nue. Elle a froid, il faut qu'on la couvre. Hein? Pourquoi tous les autres enfants ont des vêtements, sauf celle-ci? Parce que... on n'a pas acheté des vêtements. D'accord, on va la couvrir, c'est bon. Hein? Papa. Ça fait combien d'enfants? Tu peux compter le nombre de tes enfants? 1, 2, 3. Tu peux compter jusqu'à 10? Mais il n'y a pas de trottinette. Comment on peut faire pour trouver une trottinette? Trottinette, cherche-la. Alors appelle-la, peut-être répondre. Trottinette! Trottinette! Ma chérie, tu es où? Je l'ai trouvée.
Mais elle faisait quoi là-bas? Qui l'a caché, bébé? C'est toi. Ah non, elle a fui, bébé. Elle a sauté là et elle s'est cachée parce qu'elle voulait rester avec son grand-père. Elle a dit qu'elle veut rester avec moi. Oui, avec sa mère. Mais je suis dans ta maison, comment elle peut fuir? Elle s'est cachée. Replace-lui et remets trottinette à sa place. D'accord, mets trottinette alors. Je sais pas comment ça s'est passé, juste comme ça. D'accord. Ça fait combien de bébés que tu as déjà? 1, 2, 3, 4. 4 bébés. Mais ça va comme ça, tu ne dois pas accoucher le monde entier, ça va, hein, bébé? On est courts. Ils sont trop froids. Sinon, ils vont faire beaucoup de bruit à la maison. Oui. Ouais. D'accord. On leur dit bonne nuit, ok? Bonne nuit, mes chéris. Oh. Et toi, tu pars les préparer à manger. Je les prépare à manger? Oui, tu peux les préparer un gâteau parce que demain, c'est leur anniversaire. D'accord, bébé. Mais attends, c'est demain que je vais préparer le gâteau. Papa, maintenant? Oui, demain. D'accord. Et mon ami, il est là. D'accord, merci. Alors, on va dire bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit. J'espère que vous a... tu as bien aimé ce jeu. Ah, c'était un jeu, hein? Oui. D'accord. Bonne nuit, bye à tout le monde. Bye bye. C'était la page Jemima. On ne fait pas de bruit. Chut, les enfants dorment.